Nous présentons devant la presse parler et télévisé en ligne. Force opposition radicale pour changement. Constater qui Jean insécurité a progressé dans le pays. Chaque jour, moun a tombé, moun a mouru. Même la police n'a pas épargné de balles bandits. Pasteur, vaudouisan, avocat, docteur, professionnel, étudiant, si moun qui va à l'école, parents, tout tombé par balles bandits, armés sans foi ni loi. Nous, le phénomène kidnapping a continué à faire ravage dans le pays. Pouvoir en place là, par une capacité pour stopper le phénomène ça. Dans ce sens, force opposition radicale pour changement, inviter la population haïtienne dans une grosse sitine qui a fait jeudi 13 avril 2023 devant le ministère de la Justice. Yon sitin nous dit contre insécurité, contre kidnapping, contre impunité, contre CSPN. Non, vous avez demandé dépasse sans condition ministre de la Justice qui déclarait que zone et Matissan, troisième nom, perdu, comme ça tout, dans l'esprit parle, il déclarait zone Canaran, Gonor, perdu, zone Pétionville et Thomasin. Perdu, Pernier, Oudfrey, Torsel, tout ça a perdu, qui donc la population pas qu'à jouer de sécurité. Puisque il déclarait que la population doit acheter Zampal, manchette, couteau, roche, mettre la caillou pour défendre tête, nous jugeons bien que la population livrée à lui-même, donc c'est la population qui prend responsabilité tête, dans ce sens. Nous dit ce titre qui parle là, jeudi 13 avril 2023, c'est pour demander démission sans condition, ministre de la Justice. Étant donné que le ministre de la Justice, c'est deuxième membre important dans le CSPN, et en même temps qui c'est porte-parole gouvernement anti-PEPSA, anti-changement, qui c'est porte-parole gouvernement, puisque nous demandons démission de l'État, ce qu'elle fait, et ça veut dire que nous demandons démission. Docteur Ariel Henry qui c'est PM de facto. Donc, nous ne savons pas régler rien, nous ne savons pas régler rien, c'est un pays. Eh bien, nous demandons pour que le gouvernement rachète mon pays. Et nous-mêmes, si il y a pour annoncer la couleur, la mobilisation va reprendre sur tout le territoire pays d'Haïti. Mais déjà, la population a rendez-vous jeudi qui vient là pour planter piquet nous devant le ministère de la Justice pour nous dire que nous ne sommes pas capables de c'est de facto, pas rien qu'à faire. Chaque jour, nous avons mouru. Chaque jour, les policiers ont tombé. Malgré que je ne veux pas les chiffres exacts de nombre de policiers qui ont tombé, ils ont caché ça. Nous disons ça, pas qu'à continuer comme ça. Et dans ce sens, la force opposition radicale pour changement a continué à mobiliser, a continué à lever campé à toute organisation qui a rendez-vous jeudi matin, 18 avant, devant le ministère de la Justice. Pour nous demander, le gouvernement qui l'a, le gouvernement de facto, et l'État qui en fait là, qui n'a pas stoppé le phénomène de kidnapping, non, qui n'a pas ben nous sécurité dans le pays, pour placer mal encore, pour démissionner, pour aller, pour que vraiment nous entraînions un accord international pour nous gagner un gouvernement qui peut faire une transition de rupture, couper fâché avec le système PSSUC, le système corrompu ça. Pour que nous soyons capables de rallonger le souffle en deux pays. Voilà la raison pour laquelle fait que nous réunis aujourd'hui pour nous inviter à la presse parler écrit télévisée en ligne dans la conférence de presse pour annoncer la couleur, pour annoncer que le monde qui n'est pas capable, il faut aller pour y aller parce que le Premier ministre dit élection, pas qu'il y ait élection déjà 4 mois par le conseil électoral. Il y a des demandes pour terminer, pour demander aux forces étrangères entre deux pays. Force militaire, puisqu'il n'y a pas joué aucune force militaire en train de pays, eh bien, pays aux abois, police a tombé chaque jour, qui ne doit pas gagner, qui doit faire, eh bien, merci d'abord, ça y est, place mal encore, c'est aller pour y aller, faire pour y aller, sur Aïssena, qui ont seul rendez-vous jeudi matin. Waouh, 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 wa
a continué pour nous dire, pour nous lever voir nous bien haut pour nous capable dénoncer gouvernement ça qui signe un pacte avec une équipe de monde qui est l'Occident qui est dirigé par les États-Unis. Et bien, je dis à l'en abgade, tout zak gouvernement ça, la marche fait à travers pays ya, ti paysan qui nan tête moun yo, ti marchand qui nan quartier populaire, nan marché public yo, tout côté. Et bien, je dis à l'en abgade gouvernement qui ça le fait, li pren, on li signe un pacte avec communauté internationale là pour le capable bail. Yo boisson 1000 têtes citoyens chaque mois pour communauté internationale la kabwe. Et bien jodi a ça n'a constaté à travers tout pays a n'a dit moun k'ap vive dans quartier populaire nous comprenons douleur yo moun ki dans 10 départements pays a nous comprenons so yo ki ça supporter en bas équipe gouvernement Ariel Henry ak tout akolite yo jodi a nous lever campé pour tout bon pour nous déchouquer équipe gouvernement ça nous pas pral bataille comme bourik pour choual galonné. Nous pas pral déchouquer équipe gang ça que yo mettez à terre là et puis après pour c'est yo même encore qui pral jouer pour voir ça n'a fin déchouquer équipe gouvernement ça et puis après pour nous décitirer toute pépinière voler à kidnapper nèg yo mettez tout partout dans pays là mais ben jodi a n'a dit moun Canaran moun Pétionville moun Belin moun Matissan nous comprennent douleur nous connaît qui trahi a passé en bas mais gouvernement ça qui l'a volé à kidnapper tout partout pour marcher terroriser yo nous comprendre douleur yo mais n'a dit yo ça pas prêter comme ça bon équipe citoyen jeune qui levé camper pour rebalancer mobilisation n'a dit merci avec ancien politicien Raddo Kaleo journée jodi a qui signé un pacte avec Ariel Henry qui l'a gué la terre là pour capable continuer bre sans nous même comme jeunes nous ouais journée jodi a c'est jeunes yo qui pigou victime dans société parce que gagne yo qui sorti depuis Port-au-Prince pour aller jusqu'à Saint-Domingue à pied pour aller cacher pour courir sauver pour cabrette la mort gouvernement Ariel la mette à terre à la jodia. Et ben n'a dit yo bien compté mal calculé mobilisation hein li démarrer nous pas camper dans route n'a dit merci. Et ben n'a dit tout citoyen yo lever camper nous pas camper nous pour aller jusqu'au bout ensemble avec yo merci. Non, pas M. Nicolas Pierre, secrétaire général G105 qui en dans FOC, Force Opposition Radicale pour Changement. 2023, devant le ministère de la Justice, nous sitin, nous disons contre insécurité, contre kidnapping, contre impunité, contre CSPN. Non. Nous avons demandé de dépasser sans condition le ministre de la Justice qui déclarait que zone. Et Matissan, troisième nom, perdu, comme ça tout, dans l'esprit par lui déclarer, zone Canaran, Gonor, perdu, zone Pétionville, et Thomasin, perdu, Pernier, Oudfrey, Torsel, tout zone ça perdu, qui donc la population, pas qu'à jouer une sécurité. Puisque lui déclarer que la population doit acheter Zampal, manchette, couteau, roche, mettre la caillou pour défendre tête. Nous jugeons bien que la population livrée à lui-même. Donc, c'est la population qui prend responsabilité tête. Dans ce sens, nous disons, c'est titre qui va être là, jeudi 13 avril 2023, c'est pour demander démission sans condition. Ministre de la Justice, étant donné que le ministre de la Justice, c'est le deuxième membre important dans CSPN non, et en même temps qui se porte-parole gouvernement anti-PEPSA, anti-changement, qui se porte-parole gouvernement, puisque nous demandons des démissions de déclaration qu'elle fait, yo, et ça veut dire que nous demandons des démissions docteur Ariel Henry qui se PM de facto. Qui donc, nous ne savons pas régler rien, nous ne pas régler rien, c'est un pays. Et bien, nous demandons pour que le gouvernement ça rachète nous et nous-mêmes, si tu veux pour annoncer la couleur, mobilisation va reprendre sur tout le territoire pays d'Haïti. Mais déjà, la population a rendez-vous jeudi qui vient là pour planter piquet nous devant le ministère de la Justice pour nous dire que nous ne sommes pas capables de faire. C'est de facto, pas rien qu'à fait. Chaque jour, nous avons mouru. Chaque jour, les policiers ont tombé. Malgré que je ne veux pas le chiffre exact de nombre de policiers qui ont tombé, ils ont caché ça. Nous disons ça, pas qu'à
continuer comme ça. Et dans ce sens-là, force opposition radicale pour changement a continué mobiliser, a continué lever camper à toute organisation yo, qui a rendez-vous jeudi matin, 18 avril, devant le ministère de la Justice pour nous demander au gouvernement qui est là, gouvernement de facto, et l'État qui est en fait là, qui n'a pas stoppé le phénomène de kidnapping, qui n'a pas de nous sécurité dans le pays, pour placer mal encore, pour démissionner, pour aller, pour que vraiment nous entraînons encore un accord de entente nationale pour nous gagner un gouvernement qui peut faire une transition de rupture, couper fâché avec le système PSE sous CA, système compris ça pour que nous soyons capables de rallonger le souffle en deux pays. Voilà la raison pour laquelle fait que nous réunissons jeudi pour nous inviter la presse par l'écrit télévisé en ligne dans la conférence de presse pour annoncer la couleur, pour annoncer que le monde qui n'est pas capable, il faut aller pour y aller parce que le Premier ministre dit élection, pas qu'il y ait élection déjà 4 mois par le conseil électoral. Yo te fait demande pour te mener, pour demander force étrangère entre dans le pays, force militaire, puisque yo pas joué aucune force militaire entre dans le pays, eh bien, pays aux abois, police a tombé chaque jour, qui ne doit pas gagner, qui doit faire, eh bien, merci d'abord, ça y est, placement là encore, c'est aller pour aller, faire population haïtienne, on se rendez-vous jeudi matin.